Bonjour tout le monde. Le plat d'aujourd'hui est le poulet au curry. C'est un plat très très facile à réaliser. Même si vous n'êtes pas un grand cuisinier, dès que vous avez tous les ingrédients et du curry, vous savez le faire. Maintenant, c'est parti. Coupez le poulet, les patates, les tomates et un oignon en morceaux. Quand tout est prêt, il nous faut aussi du curry. C'est mon curry préféré. Maintenant, on a tous les ingrédients, on peut commencer à cuire. Chauffer 50 g d'huile à grand feu pendant environ 2 minutes. Mettre les oignons et remuer de temps en temps jusqu'à ce qu'on commence à sentir l'odeur des oignons. Ajouter le poulet, remuer de temps en temps jusqu'à ce que le poulet commence à changer de couleur. Mettre les patates et les carottes. Remuer pendant environ une minute. Verser l'eau bouillante dans le wok jusqu'à ce que l'eau dépasse les ingrédients. Mettre le curry. Continuez à chauffer, le but est de diminuer la quantité de l'eau jusqu'à ce que la sauce devienne plus solide. Afin d'éviter que le curry colle sur le fond du wok, il faut surveiller le wok et remuer de temps en temps, surtout à la fin de cuisson. J'arrête au bout de 35 minutes car je préfère garder beaucoup de sauce. Vous pouvez choisir le moment où vous voulez arrêter selon votre propre préférence. Le temps de cuisson pourrait varier selon la quantité de l'eau qu'on met et la force du feu qu'on l'applique. Il faut juste bien surveiller pendant la cuisson. Et voilà, le poulet au curry est prêt. Il est vraiment très facile à préparer, n'est-ce pas? Et surtout, il est délicieux. Il y a toujours une recette ici. Le moment du gourde chinois. La prononciation chinoise du plat est ga li ji tui. Ga li veut dire curry. Il vient de la prononciation curry en anglais. Curry, 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 ga li. Ji veut dire poule. Nous avons déjà vu plusieurs fois. Tui veut dire les cuisses. Donc ce plat en chinois s'appelle cuisse de poulet au curry. On mange partout le poulet au curry en Chine. Ce plat c'est un typique plat indien. Tout simplement parce que le curry vient de l'Inde. Mais le curry est très très populaire en Asie, dans beaucoup de pays. Les deux plats très populaires à la base de curry sont boulet au curry et bœuf au curry. Je vous présenterai bœuf au curry une prochaine fois. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas encore terminée. Il y a encore un petit test pour vous. Elle en chinois prononce ch. Question, comment dire aile de boulet au curry en chinois? Vous trouverez la réponse à la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo aujourd'hui est terminée. Bon appétit, à la prochaine !